class is pain 101. Instructors, Casey. Hey, salut gang! Bienvenue au tirage de votre chum, Casey Jones. Aujourd'hui, je vous fais tirer ces super accessoires. Donc, j'avais pour vous les 4 têtes des tortues qui viennent dans le set des Turtle in Disguise. Donc, avec ça, je vous donne 3 imperméables, 3 pantalons et 3 fedora ou chapeaux. Avec ça, oh yeah yeah, il y a les Creepy Masks. Ça, c'est les masques qui servent pour se déguiser dans le cartoon original. Et, oh, c'était pas prévu, mais j'ajoute 3 guns de Foot Soldier que j'ai en masse. Donc, inquiétez-vous pas pour moi, j'en ai en masse. Donc, je vous les donne. J'ajoute à ça, les 2 pizzas qui venaient dans le set de Turtle in Disguise. Donc, je me suis aperçu que j'en avais en double. Donc, je vous ai mis ça dans le bundle que je vous donne. Et avec ça, j'ajoute le petit livre ici. Donc, c'est le petit livre qui venait dans le set d'accessoires. Donc, c'est l'histoire du Lievé la tortue. Donc, vous avez été quelques-uns à participer. Donc, j'ai ici le nom de tous ceux qui ont eu la bonne réponse. Et oui, la réponse était « Qui est le 5e personnage dans la boîte de Turtle in Disguise? » Eh bien, c'était Pigeon Pete, le petit pigeon blanc avec le bandeau vert qu'on voit dans une seule épisode. Et je l'ai déjà fait la review. Donc, je vais nommer les noms de ceux qui ont eu la bonne réponse. Donc, un qui est arrivé à la dernière minute. Non, c'est pas vrai. C'est Maxime Colacino. Donc, ton nom est dans le chapeau. Je vais le plier comme ça. Ici. Donc, un autre. Christian Ferro. Yes, sir. Bonne chance. Ton nom est dans le chapeau. Et j'ai aussi Mike Labrie. C'est lui qui est arrivé à la dernière minute. Et son nom est dans le chapeau. Je te souhaite bonne chance. Donc, ici. Ici, on a... Oh, je m'excuse si je massacre ton nom, mon chum, là. Nicolas Jaltres Lanzafrotti. Je suis désolé si ton nom, je ne l'ai pas prononcé comme faux, là. Je suis vraiment désolé. Donc, ici, on a Steve Sainte-Marie. Et voilà. Steve, je plie ton nom. Je mets ça dans le chapeau. Et on a Suzy Massicotte. Bonne chance, Suzy. Et voilà. Je mets ton nom dans le chapeau. Et le dernier et long nombre le moindre, Yannick Fortier. Lui, je sais qu'il va être bien, bien content s'il gagne. En tout cas, tout le monde a ses chances égales. Ici, j'ai le chapeau, mais en réalité, c'est quoi? C'est la cagoule de Bob! Oh oui, je l'ai réussi à avoir la cagoule de Bob. Fait que Bob, si tu vois cette vidéo-là, là, c'est moi qui ai ta cagoule, mon chum. Fait que too bad. Hein? Sale Bob. J'ai pris ma revanche de la shot de l'Halloween. Y pensais-tu que je l'avais oublié, celle-là? Hein? Et voilà, on brasse, on brasse, on brasse, on brasse. Et avant... Non, c'est pas vrai. Je vous taquine pas comme ça. Je vais faire le tirage. Non, mais tu sais, je pourrais... Non. Niaise pas. Okay, c'est beau que ici, là, ça va faire niaisage. Juste vous dire, j'en ai pas dans ma main, caché. Au cas où, le tirage est pas truqué. C'est vraiment un tirage. Et j'ai... J'espère que j'ai juste un papier. Je crois que j'en ai un. Ici... Et le gagnant, Nicolas Jaltres Lazarotti! Fallait que je tombe 2 fois pour dire ton nom. Je m'excuse encore si j'allais massacrer. Donc, Nicolas, tout ce que tu as à faire, c'est de venir m'écrire ton nom au complet. Ben, je pense que je l'ai, là, mais en tout cas, avec ton adresse. Et puis, moi, je vais tout prendre ce beau bundle-là et te shipper ça direct chez vous, mon chum. Donc, félicitations et merci à tous ceux qui ont participé. C'était vraiment cool. Et c'était votre chum Casey Jones qui vous dit
Ciao!